La grotte Marie-Jeanne, un patrimoine à découvrir. Située dans la commune de Port-à-Piment, à l'est de la ville et à 120 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, la grotte Marie-Jeanne est classée comme l'une des plus grandes grottes des Caraïbes et sans aucun doute le plus grand patrimoine souterrain d'Haïti. C'est une grotte qui est très curieuse. Et relief li, l'on regarde, l'on arrive devant, où est son relief tourmenté, il n'est pas fait exactement pour l'autre grotte. Nous avons deux types d'espace en haut, nous avons espace à ciel ouvert, c'est côté lueur solaire à l'entrée. Il y a un aspect que, côté que nous parlons de espace à ciel fermé, c'est totalement noir, obscur, obscurité totale, donc nous avons fait l'expérience. Cette merveille touristique du département du Sud, particulièrement méconnue, est accessible à 20 minutes de marche depuis le centre de la ville de Port-à-Piment et peut être visitée en toute sécurité avec un éco-guide qualifié. Alors c'est une déformation du créole français, disons Marie-Jeanne, Marie-Jeanne comme Dame-Jeanne, Dame-Jeanne. Cette dénomination a été l'objet du nom de cette grotte. Disons grotte Marie-Jeanne, Mont Marie-Jeanne. En effet, aventuriers et visiteurs seront émerveillés de découvrir l'ambiance spéléologique de ce véritable labyrinthe souterrain et karstique qui s'étend sur plus de 4 km. Elle est constituée de plus de 36 salles superposées, les unes plus grandes que les autres, mais très originales. C'est une grotte qui est là-dedans déjà 4 km explorés. Donc là, nous parlons de 4 km qui déjà explorés. Hein. Donc, il y a quelques parties là-dedans, il y a quelques dénominations. Et les dénominations, ça a été fait c'est dans l'année 1972. C'est avec un groupe qui était les Fraternités. Donc, ils ont été baptisés Salsayo. On peut citer par exemple la salle d'attente, la toute première qui vous oriente vers les parties internes de la grotte, la salle des gâteaux qui expose des bizarreries de nature ressemblant à des gâteaux, la voûte étoilée donnant une superbe illusion de constellations calcaires, Hadès, habitat des enfers de par sa profondeur de 35 mètres, totem ou espace généalogique, où l'on classifie les gens d'âge en âge. La salle de la fraternité, très aérée, permettant une bonne relaxation. Le coin perlé, une pièce couverte de perles. En pile fois, nous avons que étrangers à exploiter et site nous plus que haïtiens nous. Donc, il y a une place pour eux tout. Ils sont même haïtiens d'abord, c'est eux-mêmes qui pour connaître l'important site pour être capables de visiter. Au Cap Goumaké, tout, il y a des recommandations que nous sommes capables de faire à visiter nous. Donc, il y a un qui est rentré, peut-être qui pas connaît par méconnaissance. Donc, ils ont écrit non sous paroi. Donc, il y a un bagage qui n'a pas de fait et qui est supposé interdit. Les cristallisations, les draperies, et autres concrétions aériennes comme les stalactites et les stalagmites, naturellement sculptées au fil du temps, forment l'architecture originale de chaque pièce, dont certaines ont conservé des vestiges de fabrication taïno et même des ammonites. Autant de richesses géologiques cloîtrées dans le silence ténébreux de ce gigantesque labyrinthe souterrain qui demeure une véritable attraction touristique à découvrir.